Bon matin les Master Collectors, on est vendredi 15 décembre ce matin. On a comme une absence de nouvelles et de new stuff sur Vivi et Comey. Donc on risque d'avoir une vidéo assez rapide aujourd'hui. Rien de nouveau, rien de super épatant. On attend probablement des nouvelles qui vont sûrement dropper au courant de la journée et durant la fin de semaine. Ceci étant dit, on va jumper quand même, aller voir nos 3D collectibles rapidement. J'ai décidé de vous montrer certains collectibles en lesquels je crois qu'il y a un excellent potentiel pour le futur, surtout, mais qu'on ait une mass adoption. Donc, on va aller voir ça ensemble, this morning, puis that's it, that's all. So, yeah, comme d'hab, plein de petits culs. Good morning, je vous souhaite un bon show. Donc, comme je vous disais, on s'en va rapidement, on survole les collectibles qui sont sortis dans les dernières semaines, mettons. Puis je vous donne mon avis, question potentielle. On commence tout de suite par le Q-Boat de 007 qui est à, attendez un petit peu, 20 gems en ce moment, ça fait pas de sens. Peu importe, je suis pas sûr que ça soit 20 gems, attendez un petit peu. Exactement ce que je pensais. Regarde, en ce moment, le 13,89, le Q-Boat. The World is not enough. Excellent prix, excellente pièce, potentiel fou, surtout mais qu'on ait mass adoption, probablement VVverse et ce que je crois, la possibilité de pouvoir se promener avec ça en tant que véhicule dans VVverse. Donc, yeah, potentiel excellent. Si on continue, on a des Mighty Marvel, mais j'avoue que dans les derniers Mighty Marvel, le seul auquel je vois un vrai potentiel, c'est War Machine. Oui, je l'aime beaucoup, mais je vois un fort potentiel pour War Machine. Aussi, surtout, à cause du fait que ça reste un Iron Man, puis la plupart des gens vont vouloir avoir ce Iron Man pour aller avec les autres Iron Man. D'après moi, ils vont avoir de forts collectionneurs Iron Man. Ensuite, on s'en retourne dans le Lamborghini Riso, la Rosso, la Azzurro, la Blue Scuro et la Verde Scuro. Pourtant, pour moi, potentiel excellent. On est dans le Lamborghini. Toutes les Lamborghini sont à un prix dérisoire en ce moment. Ridicule. Potentiel fourrette. Ensuite, on a les Fleur Kitten. Les fucking Kitten. Avec Goose le Minou. Comme vous pouvez voir, d'après moi, les chats, ça va être quelque chose qui va être apprécié dans Vivi. Surtout que gestion. Jante féminine, donc que ce soit des chats alien ou même goose, je pense que ça fait partie des pièces qui, aussitôt qu'on va avoir mass adoption, on va avoir mass popularity de ces pièces là. Attendez, justement, j'ai un bébé chat qui joue avec tout pis n'importe quoi. Allez, attends. Donc, potentiel excellent pour les Fleur Kitten, selon moi. Ensuite, on y va avec le Jurassic Park Gate Town Fucking Gem. That's another incredible drop. Je veux dire, ça va être incroyable. Possibilité de grossir ça, grandeur nature. La qualité a l'air incroyable. VVverse, j'ai eu des bons feedback de ces pièces-là. Donc, yeah. Bien entendu, la John Hammond Kane, je la trouve moins cool. Probablement potentiel un peu moins grand. Mais encore une fois, Baby Velociraptor Egg qui est fully animated. Le Tyrannosaur Rex que vous pouvez modifier son allure. Il y a comme 2-3 modèles. Il y a le modèle squelette, il y a le modèle, me semble, sans l'affiche de devant. Donc, yeah, très bon potentiel futur. Surtout Jurassic Park, on a des fans de ça depuis très très longtemps. Sinon, je vais me permettre de faire une petite parenthèse. N'hésitez pas à venir me supporter pour mon voyage dans 38, ben dans une quarantaine de jours pour Crypto Auxerre. Allez vous rejoindre. La plupart, on a quand même déjà des donations de fait. On a eu première donation hier faite. Big merci de ta part. On va très content de pouvoir avoir votre support. J'ai hâte de pouvoir aller voir en Europe, et etc. Donc, lien dans la description pour ceux qui veulent me supporter mon petit voyage. Puis, sinon, on termine avec la dernière suggestion qui est, selon moi, la plus inusitée puis qui va être la plus débattue dans tout ce petit court vidéo ce matin. J'ai l'impression qu'on s'en va avec les Iron Man Funko. Je sais regarder les prix de con. En ce moment, tout le monde va dire « Ah, c'est la pire drop ever, nanana, just nanana, that's the best drop ever. » Ça, c'est notre premier Funko. Mais qu'on en a eu 10, 12, 20, 30
le Iron Funko va être fucking incredible, rare. Les éditions sont super fucking low. Tu sais, genre 3000 de celui-là, 1500 de celui-là, 650, on est à 450, 250, puis 50 versions. Les prix sont trop bas. C'est l'équivalent du Todd de Funko Pop dans le Digital Collectible de Vivi. Donc, il y a, selon moi, big négligence en ce moment. Accumuler ça va être, selon moi, un des meilleurs moves à faire ever en Vivi pour l'année 2024-2025. Soit, yeah. C'est mon avis. On laisse ça là-dessus. Bien entendu, je vous invite à venir me rejoindre ce dimanche. On refait notre live open mic où ce que vous pouvez venir me rejoindre durant le live, venir discuter, poser des questions avec moi. On le fait le style émission de radio où ce que les gens peuvent venir rejoindre, donner leur avis, commentaires, chialer, se plaindre, peu importe. Donc, bien, dimanche, 6h30, 18h30 en fait, pour être plus clair, 6h30 en soirée jusqu'à 17h30, 19h30, de 6h30 à 7h30 en soirée dimanche prochain. So, yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay.